Je suis un petit peu en avance. Donc, je vais juste placer mes petits réglages. <coughs> un direct aujourd'hui samedi, fin de semaine de Pâques. Je sais qu'on ne sera peut-être pas beaucoup de personnes. Changement de programme dans notre famille, nous. Donc. Euh, je nous... suis un petit peu en avance. <laughs> je vais juste placer mes petits réglages. Donc, nous sommes à la maison, finalement. <coughs> Hey, C'est drôle, on s'écoute en rediffusion. Bon, OK. OK. Lila Rose est là. Coucou, Lila Rose. Donc, on va faire un petit direct ensemble. Je suis un petit peu d'avance, juste pour être sûre de ne pas être en retard. Donc, le direct va commencer dans 8 minutes. Je vais installer mes appareils comme il faut. Mon système. Oh, Joanne B est là. Aline est là. Bonsoir Aline. Bonsoir. Bonjour Joanne. Mais oui, il est très, presque 13h au Québec et 19h tout presque en France. Donc, bonne, bonne soirée à vous. Aujourd'hui, les filles, j'ai envoyé un petit questionnaire sur YouTube. Donc, j'ai enfin trouvé comment faire. Donc, plus que ça va aller, plus que je vais mettre des questionnaires sur YouTube, je vais vous mettre des petits messages qu'on voit sur nos téléphones. Donc, je vous ai demandé si vous vouliez que je tourne le vidéo tutoriel bijoux. Donc, euh, pour euh, <coughs> aujourd'hui, on va travailler sur le Dunkelbund. Bon, je vais juste replacer mes choses. Ça ne va pas bien encore. Donc, c'est correct. Le direct n'est pas parti. Si je mets ça là. Ça là, je place juste mes caméras parce que là, je ne voyais plus rien. J'ai le fil d'un jambe. Il là, a là. Mieux trop tôt que trop tard, oui, Joanne. <laughs> Effectivement. Mais euh, quand je fais un ménage dans mon iPad, parce qu'il y a une mémoire limitée, donc là, j'efface mes applications pour les replacer. Bien là, ça défait tous mes réglages. Puis après ça. Je comprends plus rien. Donc voilà, on va faire ici les bijoux. Donc je vous ai demandé sur YouTube si vous aimez mieux que je vous fasse le tutoriel en direct. Donc la façon dont ça va se passer, c'est que je vais euh, tourner le direct avec, je vais tourner le tutoriel avec vous. Vous allez être spectatrice de comment ça se passe quand je fais du tournage chez Simone color Ensuite on va, bien, je vais continuer de colorier avec vous. On va papoter. Je vais vous compter mes mises à jour un petit peu. Il se passe plein de choses dans ma vie en fin de semaine. Donc, il faut se retourner sur un dissous tout le temps. Donc, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Et, et, et on va faire un petit euh, haul. J'ai reçu une petite boîte aujourd'hui. On va l'ouvrir ensemble. Si on a le temps, on va faire un petit jeu. Moi, j'aime ça, les jeux en direct. Je trouve ça super intéressant. Ma copine Virginie Colo fait. Souvent ça, des, jeux, des petits jeux dans ces directs, j'aime ça. Donc euh, on va probablement faire un petit jeu ensemble. Elise, Grou est là, coucou Élise! Ah, oh, je contente que tu sois là ma belle, donc voilà. Je referme mon livre, on va travailler bijoux vieillis aujourd'hui. Bon là vous voyez mes bras poilus, hein, parce que je replace mon micro et tous mes accessoires, donc voilà. On va démarrer le live bientôt, donc c'est ce qui va se passer, tuto bijoux... Euh, on rouvre une boîte ensemble. Euh, je vous conte ce qui se passe dans ma vie. Je vous parle de mon enfant Samuel qui est en robotique. Faire un petit suivi là-dessus. Donc je trouve ça le fun. On va vraiment euh, ben, se donner des nouvelles de comment ça va. Donc il reste cinq minutes avant de démarrer le direct. Moi j'aimerais ça savoir euh, Lila, Joanne, Aline et Élise, Est-ce que vous coloriez en même temps que euh, <coughs> De vous regardez le direct. Donc, euh, je suis intéressée de savoir. Dites-moi ce que vous coloriez. En même temps, je veux vous montrer les filles de très proche. J'ai changé mes ongles. J'étais tannée de la couleur. Donc, euh, j'ai re... enlevé le dessus. J'ai refait euh, plus côté euh, lila or. Voilà, j'étais tannée hier. Je me suis dit, Envoye ». J'ai eu... Hier, ça a été une journée de totale anxiété, donc euh, je n'ai pas rien fait de la journée. Je vais pouvoir vous compter tout ça après le tutoriel qu'on va vivre ensemble. Ce ne sera pas un gros tuto, les filles. Yes, j'adore les hauls, me dit Joanne. Je vous montre la boîte. Voilà. Donc la petite boîte ici, hein, c'est quand même une bonne petite boîte. Donc voilà. On va pouvoir regarder ça ensemble. Non, je suis toute dédiée au direct. Ah, oh, c'est le fun, Elise. tu vas aimer ça. Euh, le départ, tout le moins, le départ, ça va être très. Euh, on suit sur l'écran parce que c'est le tutoriel. Vous, euh, pour celles et ceux qui aimeraient euh, partir leur chaîne YouTube. Lila Rose me dit « Oui, je suis dans le Mystique, le Mystique, le nouveau de Kerby Rosanne. » Petite question. Euh, Lila, j'aimerais savoir. Je n'ai pas ce livre-là encore. J'aimerais bien l'avoir éventuellement. Ça va venir, ça va venir. C'est dans mes prochains achats. Donc, trois minutes avant le départ de ce tutoriel, on va partir en grand, les amis. Vous allez voir. Ce que vous allez vivre avec moi dans le direct, c'est exactement ce que je fais quand je suis toute seule. Donc, vous allez m'entendre claquer des doigts. Vous allez des fois m'entendre dire Isa, Ça veut dire qu'au montage, moi, je vais reprendre. Donc, je vais prendre le direct. Je vais le publier intégralement en direct et je vais prendre la sélection du tutoriel et faire un beau montage pour avoir un tuto épuré, rapide, sur les bijoux vieillis. Donc voilà. On va changer de caméra. On va placer ça les filles. Bon là, vous voyez mon poulailler en arrière? Oui. Bon là, on ne voit pas. Oui, on voit ce qui est en bas. OK, c'est pas pire, c'est pas pire. Mon plan de caméra, il n'est pas pire. Deux minutes. On baisse tout ça juste un peu. Encore un peu. Hop! Ouais, c'est bon. Dites-moi les filles, est-ce que le son est bon? Donc là, je vais me placer. Tous les messages sont visibles. Voilà. OK. Donc on est parti les amis. Je mets la fichette de présentation du direct sur les bijoux. On sera pas beaucoup aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas du tout. c'est pas l'objectif d'avoir beaucoup de gens. L'important, c'est qu'on soit moins 3. Et c'est réglé. On est 4-5. Donc, parfait. On démarre ça. Une minute. <laughs> ben oui, on peut démarrer ça tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue dans ce direct chez Simone Collard. Eh bien, oui, samedi, 13h, heure du Canada, 19h, heure de la France. Aujourd'hui, nous allons faire les bijoux. Un tutoriel très intéressant sur les bijoux vieillis. Nous allons également voir toutes sortes de choses. Je vous fais une mise à jour de ma vie. Camille Coloriel. Elle est là avec nous en direct. Coucou Camille, Joanne, Lily Rose, Lila, voyons, crime, Lila Rose, <laughs> Elise est là, Joanne, et, et, et Aline. Voilà. Je suis su Joanne Richard et là, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je répète, aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel sur les bijoux vieillis. Je vous parle de la mise à jour de ma vie, du coloriage. On, on est huit! yé, yeah, Mélissa Colo est là! Coucou! On est huit! Fin de semaine de Pâques, les amis, c'est quelque chose! Moi, je suis super contente de vous retrouver. C'était vraiment pas prévu. J'étais pas supposée d'être à la maison en fin de semaine. Mais il se passe tellement de bouleversements rapides dans ma vie que mmh. j'ai dit « ça y est! » Je dois parler à mes copines. J'ai vécu une journée d'anxiété monstrière. Je n'ai pas été capable de rien faire à part une brassée de linge. Ça a été une catastrophe, mais ça fait partie de ma vie. Que voulez-vous? Pas capable de colorier tellement que j'étais. Voilà, j'ai réussi à me faire les ongles, par exemple. Donc, on va regarder ma petite manicure de l'amour. J'ai réussi à faire mes ongles. C'est la seule chose que j'étais capable de faire, mais je l'ai fait et je suis contente. J'étais tannée de la et j'ai changé de couleur tout simplement. Donc voilà, je vais recommencer euh, juste l'intro pour le tutoriel. Donc pour vous faire un petit résumé, je fais un tutoriel. Je vais enlever le tutoriel du direct pour faire un montage très serré pour vous présenter quelque chose d'une vingtaine de minutes et le replay va être complet. Tutoriel inclus aujourd'hui directement sur la chaîne de Simone Collard. Donc on commence. 2, 3. Oh, attendez, Joanne Richard me dit euh, Je ne reçois pas car la COVID s'est pointé le nez. Maddy Moon Color est là. Coucou tout le monde. Coucou Maddy. Ben oui, toi, la COVID s'est pointé le nez. Joanne Richard, je vais, en, je vais vous, <laughs> justement, en reparler. Donc, on part. Bonjour à vous et bienvenue sur ce direct. Non, il ne faut pas que je dise direct. Nathalie euh, Delilella, coucou Nathalie, je suis super contente de te euh, parler en direct, hein. on se texte souvent sur Instagram. Là, je ne dis pas direct parce que euh, techniquement c'est le tutoriel bijoux. Je recommence. Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel bijoux sur la chaîne de Simone Collard, une chaîne dédiée spécialement et exclusivement au coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans ce tutoriel, nous allons travailler dans mon livre, Le Dunkel Bunt de Sarah Richer. On regarde ça tout de suite où je suis rendue, les amis. Oh, j'ai presque terminé. Ça fait une semaine que je suis sur le coloriage. Je suis surprise de fou du résultat. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et... Euh... Le résultat obtenu ici, c'est grâce à mes deux petits coquins, ben en fait, ouais, deux, trois petits coquins ici que je vous présente tout de suite, les albrecht dueur et les derwent métalliques aquarellables. Donc, les crayons métalliques aquarellables ou métalliques, ça donne un effet vieux, vieilli que j'adore vraiment beaucoup. Donc, dans ce tutoriel qui est une suite, en hein, les amis, n'oubliez pas. On termine, on fait les bijoux et ça va être la fin de ce colo. Donc, plusieurs vidéos déjà de disponibles sur la chaîne de Simone Color. Vous hein, voyez, en une partie ici, on, je vous explique tout en détail pour fa comment faire cette beauté ou reproduire à tout le moins des effets similaires. Donc, chaque vidéo est une vidéo en soi. Ça va être très intéressant. Euh, pour vous de pouvoir regarder les vidéos. Pour les amis en direct aujourd'hui, ces vidéos-là ne sont pas encore <laughs> publiées sur la chaîne de Simone Collard. Ils vont l'être dès mardi. À tous les jours, je publie une vidéo qui est une suite de 10 vidéos jusqu'à date. Donc, nous tournons la dixième en ce moment-là. Donc, là, je retourne dans mon personnage et je continue à tourner. <laughs> Donc, beaucoup de petites vidéos divisées en plusieurs volumes pour que vous puissiez pouvoir faire l'effet chandelle, comment faire un visage, comment faire le fond que j'ai réalisé ici, donc comment faire les cornes, plusieurs trucs et astuces dans ces vidéos-là. Alors, aujourd'hui, je travaille sur un papier qui a été, désolé, mes poussins sont excités, c'est Pâques, mais je n'y mangerai pas les poussins. <laughs> Et je ne mange pas mes poulets d'ailleurs. Bon, euh, je reviens. Nous travaillons sur un papier qui est protégé avec du Liquitex transparent. On va travailler avec les pinceaux Dainow, juste ici. Je euh, vais travailler également avec mes petits bols Faber-Castell. Et pour les euh, Québécois, Québécoises, la petite houppette ici, C, est, qui est disponible chez Dolorama. Trois pour, je pense, c'est 2 Oh, je les aime tellement là. On va regarder ça ensemble. Elle est épaisse. Vous voyez quand je pèse dessus là, il y a une mousse. Boing! Vraiment intéressante, je mets beaucoup d'eau dessus et ça passe pas au travers là pour aller euh, mouiller ma table. Donc, j'adore ça. Là, je vais juste me replacer les amis. Vous allez voir mes petits bras partout, mais je vais prendre mon matériel que j'avais mis pour la présentation sur le plateau. Et on va pouvoir, ça c'est mes pinceaux qui tombent, on va pouvoir débuter le tutoriel. Donc là, mes pinceaux sont là et je ramasse mon petit calepin. Les bijoux, les amis, on va se faire un petit zoom. Ça va être intéressant pour bien voir se colère les bijoux. Écoutez, une surprise, une surprise. Voilà les bijoux. Euh, J'aime beaucoup l'aspect sale. Bon, je sais que ça a l'air curieux, là, mais l'aspect sale et vieilli, vieux, parchemin. Vous voyez, la peau, là, est très, très colorée. J'adore ça. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et j'ai, mon garçon m'a dit les bijoux, fais -les dans du brun. Bon, là, je me suis dit, on va prendre mon petit bronze qui est juste ici. Mon petit bronze 84. Sauf que je trouvais que ça ne faisait pas assez. Je ne sais pas, je n'aimais pas la couleur. Donc là, j'ai fait un choix de couleur intéressant. On va juste enlever le zoom. Hop! Donc, toujours dans mon calepin. Hein. Vous savez, quand je fais des colos super importants pour moi. Bon, je me prends des notes dans mon calepin. Je fais des tests de couleurs. Donc, les couleurs que j'ai sélectionnées, vous voyez, j'ai fait un paquet de tests juste ici. Alors, j'ai choisi mon 84 bronze qui est juste ici. Je l'ai mixé avec du noir. Je n'aimais pas l'effet, donc je suis allée chercher un bleu qui est juste là. Euh, je n'ai pas écrit la couleur. Je suis donc bien nanouche. Euh, bijoux ah oui je les écris ici le 840 de Derwent Intense le Iron Blue donc qui est mon bleu foncé je suis allée chercher également mon Sea Blue ah oh, ça c'est tellement ma couleur d'amour le numéro euh, 1200 ça donne ce bleu là un bleu électrique qu'on voit ici là autour des chandelles ah oh, ça c'est mon effet punch du coloriage donc, ça, 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 ces trois couleurs-là. Et, et, et la quatrième couleur du noir. OK. Le noir. Donc, voilà les couleurs qui ont été sélectionnées. J'ai essayé toutes les combinaisons, mais c'est les couleurs que je trouvais qui étaient jolies. Alors là, oh! Ma copine Sophie Plante est là. Coucou Sophie! Vraiment beau ton colouisa! Oh, t'es un amour, Sophie! Merci beaucoup! Élise, euh, ah oui, c'est ça! Je veux vous parler. Comme nous sommes entre nous, euh, à part, mon Dieu, je suis tellement, euh, c'était tellement pas prévu, les amis. Je veux vous montrer un petit quelque chose dans le livre que ma copine m'a donné, Elise. Prochain coloriage. Bon, il y a du changement chez Simone, là, c'est ça. Je suis bousculée dans toutes mes de, dans le fond, hein? moi, il ne faut pas que j'aille rien de prévu à l'avance, sinon je, je tombe en état de panique. Voilà. Donc, euh, A Million Bears, moi, là, je veux colorier dans tous les livres, dans tous mes livres qui n'ont pas été coloriés encore. Donc, ça, c'est mon objectif de 2021 et de 2022. Hein? On continue. Ici, là, si vous avez A Million Bears et que vous voulez travailler avec Simone. Bien, moi puis ma, ma copine Virginie Colo, on devrait faire ce colo-là ensemble. Donc, peut-être qu'on va faire des directs. Je ne sais pas, là, je n'ai pas parlé à Virginie, j'ai dit ça comme ça, là, mais j'aimerais ça, moi, le colorier avec vous en direct. Donc, si vous l'avez, ben, crime, ça serait le fun! Euh, ouais, vraiment, moi, moi c'est la page. Hein, on a des pages qui font Oh! Je l'aime trop ce livre-là! C'est ma page préférée et j'ai le goût de colorier celle-là. Bon, petit aparté pour euh, dans mon tutoriel, voilà. Ici, dans ce livre-là, mon illustration favorite, c'était elle. Donc voilà, hein, on travaille dans le thème. Bon, je reviens à mon direct, les amis. Oh, Sandra Cocon est là. Salut Sandra! Les couleurs d'Annie! Les, voyons, je dis n'importe quoi, moi je lis en diagonale. On est 20, Simone. Ben voyons donc ces pâques, c'est ça? Vous faites quoi, les amis? Vous avez tous le COVID? Qu'est-ce qui se passe? <laughs> euh, les, bon, je recommence. Crayon et couleurs, Annie. Ah oui! D'ailleurs, je suis allée voir. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, Annie? Parce que je suis allée voir quelque chose de toi. Je pense que tu as une chaîne YouTube ou c'est ton compte Instagram. J'en vois tellement dans une journée, là. Mais je sais que tu colories comme waouh. Wow. Sophie Plante, allez, on met tous des pouces. Oui, n'oubliez pas de mettre vos petits pouces. Et pour le replay, évidemment, hein, si vous ne connaissez pas, connaissez pas la chaîne de Simone Color, bien, abonnez-vous, prenez la chance. Isa Art est le 41. Isa, je sais qu'elle a une chaîne YouTube. Allez la voir. Donc, euh, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard, mettez-moi un pouce pour la vidéo et très important, les amis, la cloche de notification. Ah, oh, Virginie est là aussi! Bon, d'où qu'on est plein de monde. Donc, euh, la cloche de notification, moi, j'ai ouvert la cloche de notification à toutes mes copines. Oui, c'est ça, Les Couleurs d'Annie, elle a une chaîne YouTube, allez la voir. Euh, la cloche, je me, là, je suis toute excitée, mon Dieu, gorgée de café, Isa, je peux pas, je peux pas, je vois. Hmm. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai passé trois heures au téléphone <laughs> avec ma tablette à parler à Marilyn. Pas, pas une bonne journée hier, pas une bonne journée. Mais la cloche de notification, je l'ai mis à toutes mes copines qui font des euh, directs. Fait que là, quand j'ouvre ma tablette, je sais tout de suite si Virginie est en direct, euh, ma copine Isera. Euh, J'ai plein de copines que je suis en direct, évidemment, mais. Je peux facilement aller faire une courbe et aller les voir. Donc, je suis super contente. Les, la cloche de notification, on le dit tout le temps, mais euh, c'est important. Voilà. Virgin, j'ai parlé de toi dans ton dos. Je ne sais pas si tu étais là. <laughs> notre petit colo que je voulais faire avec toi, notre duo qu'on va offrir à tous nos abonnés. Euh, si vous ne connaissez pas la chaîne de ma copine Virgin Colo. Mais je vous invite à aller la voir. Je vais travailler avec elle et je veux qu'elle ait 1000 abonnés vite, vite, vite. Sinon, je boude. <laughs> Donc, je veux faire ce colo là avec elle et vous en même temps. Donc, on va peut-être faire soit. Ben moi, j'aimerais ça le colorier en direct. Fait que ça serait le fun que ma copine Virginie se joigne à moi et que moi je me joigne, joigne à elle pour. Euh... C'est direct parce qu'elle fait des jeux, puis j'aime ça. Je trouve ça divertissant. Donc, je, je suis tout le temps contente quand je termine un... Ben, quand je, je participe à un live avec elle. Donc, là, on revient à notre... Euh, Isa, tu dois travailler, là. On revient à notre tutoriel. On prend un respire. On repart. Je vous mets tous les liens Amazon et AliExpress des produits que j'utilise dans ce tutoriel-là. Comme ça, ben, si vous vous posez des questions, vous aimeriez avoir le livre, vous vous, vous demandez, parce que j'utilise une panoplie de crayons hein, dans ce tutoriel-là des Derwent Intense, des Derwent Métalliques. D'ailleurs, je vous les conseille beaucoup. Petite gâterie, coûte pas cher, 12 crayons, mais ils fonctionnent hyper bien. Niveau aquarelle, je travaille aussi avec les Albrecht Dueurs de faber Castel. Aquarellable, Question AliExpress. On a aussi les crayons aquarellables. Nyoni, ça ne coûte rien. Ces crayons-là, en fait, ils pas, sont pas chers. Et je les aime vraiment beaucoup, disponibles en sans unité. Donc, euh, albrecht Duha, c'est intéressant, mais ça coûte très cher. Je n'ai pas la collection complète, mais par contre, les Nioni, je les aime beaucoup. Donc là, je ferme mon livre. Euh, attendez, là, il me manque mon petit chose. Où est-ce que je l'ai mis? Ah! Donc je ferme mon livre et nous allons regarder ensemble des photos pour vous montrer comment j'ai fait les bijoux. Donc, on débute ça tout de suite. Euh, ici. Voilà. Première étape la plate couleur. Donc, on pose notre couleur de façon unie partout sur la surface. Ici, j'ai utilisé le Sea Blue. Numéro euh, 1200, essaye de te mettre dans le champ, envoie. On ne fait pas le focus, ça va super. Donc, le 1200, euh, on a appliqué euh, ça complètement sur la surface des bijoux. Donc là, on voit que c'est une première application de couleur. C'est très simple et c'est facile à faire. Deuxième étape, on prend notre bronze numéro 84. Bronze 84, juste ici. Euh, hop, voilà. Et là, je suis venue placer mon brun dans les endroits où je verrais l'ombre. Donc, ce n'est pas aquarellé sur la photo ici. Donc, on voit vraiment comment j'ai placé l'espèce de bronze. Et ensuite, c'est le résultat aquarellé. Et là, je devais juste rajouter le noir dans les parties. Creuse de l'ombre. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les amis, pour le tutoriel. C'est juste ça. On va maintenant le faire ensemble et nous allons nous mettre vraiment en mode rapproché pour bien voir le travail. Hop. Et c'est ce que nous allons faire. On fera pas les petites joues ici. C'est très très de la minutie. On va y aller plutôt. Dans une surface qui est grande. Et petit truc, je vais vous le montrer de près. Les lèvres ici. On voit le blanc qui est sur. Bon, fais le focus. On voit. Il fait-tu? Bon. On voit le blanc sur les lèvres ici. Pour arriver à ça, une espèce de dépôt de blanc, j'ai pris mon blanc aquarellable, tout simplement. J'ai mis la mine dans l'eau. Ça fait un petit peu. Vous voyez que la mine n'est pas brisée, là. Bon. La mine n'est pas brisée et on met la mine dans l'eau. On la retire tout de suite. Hein, on ne la laisse pas dans l'eau. Et là, ça, la mine devient plus molle. Et en ce moment-là, on peut faire des touches de blanc, comme des espèces de. de comme si on prendrait un pinceau avec de la peinture. Et ça fait vraiment des dépôts crémeux et très intéressants pour le blanc. Donc, je l'ai faite sur les lèvres et sur les bougies, ici, un petit peu. Donc, moi, pour vraiment venir puncher les bougies à la fin, le vraiment faire ressortir les bougies, je vais utiliser probablement de l'acrylique blanche pour terminer. Donc, bijoux, on va faire la stratégie ici. Donc, évidemment, pour vous pratiquer, je vous conseille toujours d'utiliser une partie qui est moins. Euh, que l'œil est moins attiré vers pour faire vos premières applications. Comme ça, vous vous pratiquez et c'est beaucoup plus facile si on manque un peu notre coup et que notre application n'est pas optimale. Donc là, je prends mes quatre couleurs et je sers les autres. Hop! Bon. Pinceau, d'eau, pète, on est prête. Yeah! Donc, on y va selon la séquence qu'on a vue sur les photos. Première application, le 1200. Le C Blue. Donc, sur un, un papier qui est protégé au gesso. Donc, j'y vais tout simplement. Je vais essayer de tasser mes doigts là. Donc là, j'applique ma couleur. Donc, j'y vais dans le fond. Euh... Ouais. Le fond. Voyez que j'exagère pas non plus dans, dans mon application, hein, je n'en mets pas euh, excessivement trop. Hop. et là, je vais prendre un pinceau, mon petit mmh. là. Mon 06, mon 6, et je viens faire mon aplat de couleurs, donc ma première application. Pour les petites rainures ici. Je vais juste utiliser l'eau comme ça pour venir le faire. Ça fait vraiment des lignes plus pâles. Hop. Je continue mon aplat. Là. Bon, là, si je n'ai pas assez de matière, je peux venir prélever directement sur le crayon. Donc, ici, sur la mine, je mets de l'eau. Je laisse le produit se détendre et relaxer avec mes petits chatouillements de pinceau. Et hop, en ce moment-là, je peux utiliser la couleur comme ceci pour des petits détails. Plus facile que de mettre le produit directement sur le papier et que ça s'évase et que ça prenne beaucoup trop de place sur, pour une petite ligne comme ça. C'est pas facile. Je préfère utiliser cette stratégie-là. Donc là, j'aquarelle le tout. Ah, je suis contente. Après lui, là, c'est le Minotaure. Là. Donc, le Minotaure. Le prochain trio colo de la chaîne Simone Collard est dans l'atelier de Marilyn. Bien, je ne participerai pas, malheureusement, parce que c'est un livre que je n'ai pas. Et, euh, bien, c'est correct. Marilyn va prendre le relais sur ce trio colo-là. Et le prochain, ben, peut-être que je vais faire toute seule. Où on va le faire ensemble. On va voir. On arrive dans la période estivale, les amis. Euh, vous savez que les gens sont plus occupés. Moi, je suis beaucoup plus occupée au niveau du travail, donc ça va être euh, différent un petit peu pour la période d'été. Mais on continue les trios colo. On a beaucoup trop de plaisir. Donc euh, voilà. Première application est faite. Je laisse sécher euh, la partie. Pourquoi Parce que je vais utiliser mon crayon ici. Euh, sur le bronze 84, sur le papier. Et je veux que la partie soit sec pour pas que le crayon euh, mette trop de pigments. Parce qu'un crayon aquarellable sur, utilisé sur de l'eau va colorer énormément. Euh, va donner beaucoup, beaucoup de pigments. C'est pas ça qu'on veut ici. Donc là, tout en m'amusant et en vous parlant, je complète. J'ai eu tellement de plaisir, les amis, à faire ce coloriage-là. Ça se peut pas... Moi, là, je veux absolument que vous viviez ça dans votre vie de coloriste le plus souvent possible. Quand on fait un coloriage, bon, évidemment, on veut réussir tous nos colos, mais c'est pas possible de réussir tous nos colos. Mais quand le résultat, là, oh, nous satisfait tellement, là, et qu'on est content, qu'on se dit « Mon Dieu, comment j'ai fait ça? Ça n'a pas de bon sens! » Moi, j'ai tourné neuf vidéos sur ce colo, là. Et j'en reviens pas encore du résultat, je me dis, mais c'est donc bien beau! Mes enfants y ont fait waouh En tout cas, ça <laughs> c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on ait beaucoup d'attentes. Hein? Moi, je veux faire des beaux colos, mais c'est pas obligé dans le sens que je veux juste m'amuser, jouer avec mes, mon matériel, je veux passer du temps avec vous, jaser avec mes copines qui colorient également, donc. Pour moi, c'est un passe-temps, c'est pas euh, la. Comment dire L'objectif pour moi, c'est pas d'avoir des beaux colos. Voilà. Donc, moi, là, même si je fais un tutoriel sur un colo puis qui est raté, l'important, c'est pas le résultat du colo, c'est les techniques utilisées, les corrections qu'on peut apporter et euh, le plaisir qu'on a eu de s'en jaser, hein, tout simplement. Et euh, nos coloriages ratés, là. Ouais. Ici, même chose que là. Je vais juste prendre l'angle qui a débordé et je vais venir l'appliquer comme ça. Donc voilà, l'important pour moi, ce n'est pas la finalité du résultat. C'est pour ça que je suis pas. Je me fais surprendre par des colos. Là. Je me dis, mais mon Dieu, c'est donc bien beau, comment ça se fait? Bon, puis c'est intéressant de trouver le comment ça. Comment ça que c'est beau comme ça? Et sur ce colo-là, je l'ai trouvé. C'est mes crayons aquarellables métalliques. Voilà! Bon, c'est sûr que j'ai un peu de technique au travers de ça, là, mais ce qui m'a vraiment aidé pour l'effet vieilli, c'est les métalliques. Et vous allez le voir tout de suite parce qu'on va l'utiliser là, là. Bronze 84 métallique. Vous pouvez prendre vos crayons de couleur non aquarellables et utiliser les métalliques. Ça va faire le même résultat en passant. Là. Je dis ça comme ça, mais euh, tous les matériaux, ça s'équivaut. Donc là, application directement sur le papier de ma couleur bronze, mais dans les endroits où je veux voir l'ombre. Et là, je ne me soucie pas de ce que l'illustratrice a fait, là. Moi, je mets où ça me tente. Donc, je fais les contours un petit peu ici. Je termine mes coins rondelés. Ici, la même chose. J'espère qu'on ne voit pas mes doigts. Gros doigt. Je trouve ça triste quand je vous fais un tuto, puis c'est, tu sais, je vous parle, puis on voit juste mes doigts. Ça, c'est pas le fun. <laughs> fait qu'il faut que... J'essaie d'éviter ça, mais je ne suis pas une professionnelle, les amis. Je fais mon possible. Donc, voilà. Alors, première étape, on applique notre aplat de couleur uniforme. Ça n'a pas d'importance. Deuxième étape, le bronze. Le bronze, je ne le mettrai pas sur les lignes ici. Je le mets ici à l'intérieur, puis on va terminer par la suite. On continue, les amis, on continue, ça va bien. Donc, j'y vais ici. Une petite ligne à l'intérieur. Hop. Et là, vous voyez que ça fait quand même vieillot avec cette couleur-là. On pourrait le laisser comme ça, mais ici, nous sommes sur du aquarellable. Donc, on va euh, révéler la couleur avec de l'eau et vous allez voir que ça fait toute la différence. Là, je vais changer de pinceau. Hop. On y va, les amis. Je me replace. Ah oui, Sandra cocon me dit mais quelle sagesse Simone, c'est tout à fait ça mais je n'arrive pas à appliquer ta philosophie. Ben Sandra, la journée que tu vas réussir à le faire, c'est là que tu vas te faire des surprises à toi-même. <laughs> Puis ça là, c'est le fun parce que on s'attend à rien du résultat dans le sens que s'il si est pas beau, il est pas beau, c'est pas grave, on, on a eu du plaisir à le faire. Et quand on réussit de quoi de beau, là? Ah! Oh! Là, on se dit, mais c'est donc ben hot! En tout cas, moi, c'est une belle expérience hein, que j'aime beaucoup dans ce temps-là quand on se dit, mais j'aurais pas pensé que ça aurait été beau comme ça. C'est le fun. Je vous souhaite à toutes hein, de le vivre, évidemment. Bon, ici, j'aquarelle. Donc, l'objectif, c'est de venir euh, faire un dégradé tout simplement avec l'eau. Donc, si on regarde ici. La partie qui est euh, dans l'ombre, donc elle va rester foncée, hop, comme ceci. Et là, je rince mon pinceau pour enlever le, la matière et je viens juste diminuer l'intensité de la couleur sur la tranche ici. Hop. Alors là, ma couleur de base est faite au Derwent Intense. Fait qu'ici, n'y a rien qui bouge parce que ça l'a séché. Voilà. Et on travaille tout simplement notre couleur. Donc là, vous voyez que tout de suite là, nous avons un aspect vieilli. Hein? C'est fou. Moi là, je n'en reviens pas de voir la beauté de la chose. Voilà. Et les Derwent métalliques, je les avais jamais utilisés. Petit monstre. Donc j'essaie de travailler dans des livres que, qui n'ont pas été débutés encore et d'utiliser tout mon matériel en rotation. Hein? Cette année. Alors voilà, je reprends mon bronze. On complète un petit peu l'application de cette couleur-là, ici, sur les lignes, pour faire un effet reproduit un peu ici, comme sur les petites cornes, tout simplement. Donc, je me questionnais si cette partie-là, je la faisais en os, comme les cornes. Puis j'ai décidé que non. Je suis allée voir mon colo de Jonathan qui l'a fait. Et lui, il l'a fait vraiment comme les bijoux. Donc, j'ai trouvé les débones, j'ai poursuivi tout simplement dans cette veine-là. Mais ça aurait été pas laid de le faire beige, la même couleur que les cornes. Donc, ici, je passe un petit coup sur le bronze, mais je ne l'étire pas nécessairement. Je veux juste révéler la couleur, mais on ne dégrade pas euh, ici. Ça, c'est un choix. N'oubliez hein, pas que moi, je vous donne des techniques c'est à vous de les appliquer. Euh, comme vous avez le goût de les appliquer tout simplement, vous pouvez faire des vêtements avec cette technique-là. Il n'y a pas de souci. Donc, euh, voilà. La deuxième étape est complétée. On passe à la troisième étape. Je vous remonte la photo euh, de l'étape 1, 2 et 3 juste pour faire un visuel. L'étape 1 à plat de couleur avec une couleur étendue tout simplement. Étape 2, on ajoute notre bronze pour venir vieillir la pièce. Puis d'ailleurs, euh, si on fait la couleur or, ça, ça serait super beau, cette technique-là. Et la dernière technique, celle qui nous reste à voir, c'est de creuser les ombres. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, et c'est important. Dans tous mes colos, moi, creuser les ombres, euh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, nous allons le faire tout de suite. Pour y arriver, j'ai deux couleurs. J'ai mon... Euh, attends un instant. Oui, le Iron Blue 840 et mon noir. Ah, puis ça, le noir, si vous n'avez pas les Derwent c'est que vous aimez le noir. Allez, vous cherchez lui à l'unité. Oh, il fait vraiment un beau résultat, les amis. Regardez-moi ça, le coin noir de la nuit noire. C'est vraiment... Je l'aime. Je l'aime. Voilà. Donc là, je creuse mes ombres. Et vous allez voir la différence entre ça qui est vraiment beau et qu'une petite touche creusée va faire toute la différence. Donc, j'utilise mon Iron Blue ici, là. C'est sec. Mon Iron Blue ici. Je peux l'utiliser tel quel et ne pas l'aquareller. Donc, des fois, quand j'ai de la misère, c'est ce que je fais. Hein. Je l'applique, je n'y touche plus parce que mon visage, j'ai eu de la misère terriblement. Parce que les crayons aquarellables réguliers, ils se délavent. <laughs> Donc là, j'ai eu bien de la misère quand je suis venue pour étirer mes couleurs. Ah, d'accord. Tout un histoire. Donc là, ici, hop, je creuse là. Ici, je ne le creuserai pas parce que la partie ici est bombée et elle est par-dessus celle-ci. Donc, je ne toucherai pas ici, mais je creuse ici et en bas. Voilà. Ici, en bas, parce que ça tourne. Ça, il faut comprendre l'effet 3D de cette partie-là. Donc là, j'ai pilé comme vous voyez vraiment sur mon bronze, c'est pas grave, on va s'ajuster les amis, on ne s'inquiète pas. Tout est possible ici. Donc là, j'aquarelle ma partie bleue. Hop. J'aquarelle. Et là, vous voyez, je ne rince pas mon pinceau encore. Je fais vraiment juste aquareller la partie foncée. Voilà. Et voilà. Bon, là ça a l'air curieux, on dirait des lignes très foncées. C'est exactement le cas. Donc là, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé et là je fais mon petit dégradé ici. Je suis encore pour vraiment bien faire mon dégradé de couleur. Hop. Comme ceci. Bon, là, c'est long un peu. Vous savez que moi, quand c'est trop long, ça me tape ses nerfs. <laughs> Donc là, on va prendre un pinceau plus gros, le numéro 6. Je l'aplatis, hop, comme ceci. Il est mouillé. Je vais le mettre dans une partie pâle. Voilà. Là, il est aplati. Vous voyez que ce n'est pas une pointe. Je l'ai foiré. Ça va bien, ça. Gardez bien ça. Là, j'étire mon dégradé. Comme ceci, ma petite couleur. Ça va plus vite. Bon, il reste assez de matière pour les tirer, oui. Hop! Ici. Et là, je pile sur tout ce que j'ai fait avant. C'est pas grave. Voilà. Et ça, ça va beaucoup plus vite. On aime ça, la vitesse. Moi, je suis un escargote donc c'est important pour moi. <laughs> de gagner en vitesse. Donc voilà, ici j'étire. Joyeux sport à tout le monde, hein. Joyeux sport ce tutoriel est tourné en direct avec beaucoup de copines. Mon, doux c'est le fun, je ne suis pas seule. Voilà. Oh, moi je trouve ça plus beau comme ça. Bon, évidemment j'ai passé un petit peu sur mon bronze. il n'y a pas de souci. On réapplique le bronze, mais pas sur le foncé. Je, ben, je peux aussi en mettre sur mon foncé, mais là, il va couche sur couche, puis on s'amuse. Hein. L'important, c'est vraiment de s'amuser. Je vais en mettre un peu ici. Hop, je reprends mon pinceau, j'y vais encore avec un aplat comme ceci. Voilà. Et je me réamuse encore. Donc, l'effet vieilli, c'est vraiment du couche sur couche et on s'amuse. Donc, il n'y a pas une application, c'est terminé. C'est vraiment. Les couleurs mélangées ensemble qui vont donner un beau résultat et c'est tellement plaisant et rapide hein? l'aquarelle là ouf! comme je vous dis là ça fait une semaine que je suis sur ce colo là donc ça va bien bon là je veux j'ai presque terminé la partie euh, je veux essayer d'éclaircir le milieu ici pour donner un peu de luminosité j'ai rincé mon pinceau et j'enlève un peu de matière à certains endroits où je veux voir de la lumière. Bon, travail sur le gesso, je répète. Je sais pas qu'est-ce que ça fait quand il n'y a pas de gesso. Mais ça, moi, là, le gesso, oh, transparent, j'adore ça. Donc ici, touche de lumière. On ne veut pas voir un effet goutte, par contre. Donc on fait attention quand on essuie. Et voilà. Je complète avec mon bronze et je refais mes petites lignes. Et je ne toucherai plus. Voilà. Il me reste le noir. Ici un peu. Ah, ici même, je vais donner de la lumière là. Je vais utiliser mon bleu électrique comme ceci. Pour venir juste colorer ma partie pour que ce soit vraiment bleu. Touche de lumière au travers. Hop. Ici aussi. Hop. Hum. Beau. Ici, on va remettre du bronze. En bas. Hop. Et là, je ne toucherai plus à mon bronze. Il va rester tel quel. Il me reste. Mon Dieu. J'aimerais ça avoir une autre main. Hein. Je me sens comme une pieuvre. Voilà. Ensuite, le noir. Juste pour faire la petite touche finale. Donc, ink black, le numéro euh, 2200. On y va. Creuser certaines parties. On ne reprend pas tout, les amis, parce que notre bleu est important. Le noir, c'est vraiment pour marquer le creux le plus important. Ici. Hop. Ensuite, ici. Voilà. Voilà. Oh, c'est beau. Ça. Après ça, sur les lignes, juste la base pour venir faire notre effet de trois dimensions pour montrer que ça tourne. Juste la base plus foncée, ça va aider. Hop, hop, hop. Vous voyez que je sens que ça tourne un peu, là. Ici. Ah, oh, c'est beau! Coucou! Voilà, voilà. Eh bien, crime! C'est pas mal ça, les amis. J'espère que le tutoriel vous a plu. Facile, rapide. Il suffit juste d'avoir la technique et d'être ben, abonné à la chaîne de Simone Color, les amis. Ben oui, ça termine ce tutoriel-là. La prochaine vidéo, ça va être tous nos coloriages réalisés. Donc, avis à ceux et à celles qui veulent faire ce colo-là, le Dunkel Bunt de Sarah Richard. Donc, vous publiez votre coloriage sous le hashtag SimonColor sur Instagram, tout simplement. Et bientôt, je vais prendre toutes les photos. Et on va faire une vidéo compilation pour vous montrer ce que cette illustration-là, vue par plusieurs artistes différents, comment que c'est fascinant de voir ce qu'on peut arriver à faire avec des jeux de couleurs, avec des couleurs chaudes, des couleurs froides, avec des couleurs pâles. Moi, je l'ai rendue méchante, creepy, épeurante, horreur, Halloween, bref, plusieurs mots pour dire que ça fait peur. <laughs> Mais c'était mon inspiration de départ et je l'ai vue elle. Ben, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir Instagram parce qu'il y a plusieurs copains qui l'ont fait, copines. Oh, C'est merveilleux de voir. Elle, elle est capable d'être douce, jolie, gentille, bienveillante, tout dépendamment de les couleurs que nous utilisons. Donc, ça va mettre fin à ce tutoriel, les amis. Euh, je vous mets juste au milieu, ici, l'affichette de Simone Collard. Vous pouvez vous abonner et de chaque côté, je vous mets une vidéo, euh, ben, dans fait dans le fond, deux vidéos qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Donc, je vous a... Je vous donne des bisous du Québec et à une prochaine vidéo. Et voilà, les amis, on revient en direct. Le tutoriel est tourné. Vous l'avez vécu en, en direct avec moi. Je suis au su Oh! Maëva est là! Tati Poupou est là! Béa est là! Mon tout je suis contente! Nous sommes beaucoup aujourd'hui! Ben oui, Sandra, bonne soirée à tous! toutes et à tous. Euh, Béa, est-ce que tu as vu ma vidéo sur euh, que je t'ai dédié ma chère? Oui, mettez-moi un gros pouce, c'est super gentil. Ça me fait plaisir de vous avoir partagé. Hélène est là. Hélène, je suis super contente de te voir. Bon, bien, la première partie du direct est complétée et on poursuit sur plein de choses, les amis, vous allez voir. Donc, euh, 90 des répondants sur mon sondage de YouTube. Non, tu n'arrives pas à la fin. Béa, tu arrives au début. Je m'excuse de te décevoir. <laughs> tu arrives au début parce que euh, ça va, tout va être en replay, évidemment. Moi, j'ai vu la partie tutoriel, hein, comment faire les bijoux ici. Euh, ça va être disponible en replay. Donc, ça, c'était la première partie. 90 des gens voulaient vivre en direct. Euh, oui, c'était un direct, mais c'est un direct dont je tournais un tutoriel avec vous. Étant donné que j'ai une table de mixage et deux caméras, je suis capable de faire ça maintenant. Donc, je suis super contente de le vivre avec vous. Donc, la partie bijoux est complétée. N'oubliez pas que dès mardi, je vous mets tous les euh, vidéos. Donc, mardi, un, une vidéo par jour. Donc, vous allez voir toutes tout les vidéos que je vous ai tournées pour arriver au résultat que j'ai fait, finalement. Donc, les techniques, ça peut être utilisé avec plusieurs couleurs, plusieurs matériels. L'important, ce n'est pas les crayons, c'est vraiment l'artiste et les techniques utilisées. Bon, première chose de régler. Là, on jase, les filles. On jase. Hop. Je vais la cacher, la faire sécher, dans le fond. Mais pas ça, là, là. Sèche, ma belle, sèche. Bon. J'ai reçu un colis. Voilà. Ben oui, j'ai reçu un colis, puis je m'en attendais. Hum. C'est moi qui l'ai commandé, donc on va pouvoir ouvrir ça ensemble. Ça va être intéressant. Ensuite, pourquoi je suis en... Euh, pourquoi je suis en direct aujourd'hui avec vous. Fin de semaine de Pâques. Euh, là, vous me dites, Isabelle, t'es pas en famille, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que t'es toute seule? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, toi. J'avais un gros parti au chalet, la famille se, re, se regroupait, tout le monde était content. Bon, puis finalement, mon père n'est pas en forme, il y a un petit rhume, il ne veut pas contaminer, il ne vient pas. Mon garçon qui fait de la robotique euh, a fait la finale à Montréal. Donc, euh, l'équipe Hyperion, je vais vous mettre le lien de la vidéo de son équipe si vous voulez voir son robot. Donc, l'équipe Hyperion numéro 3360. Si vous suivez le, le défi de Robotique First, euh, il fait partie des équipes. Attendez-vous, att attachez-vous bien les bretelles, les amis. Il va aller au Texas finalement. Donc, là, on est tout excités. Il a été sélectionné pour aller au Texas avec son robot et son équipe. Deuxième chose, hier, il y a un des mentors qui est malade, il y a le COVID, donc là, il manque une personne pour aller au Texas, donc là, c'est mon conjoint qui va y aller avec mon fils et l'équipe, donc les passeports et tout, parce que c'est aux États-Unis, évidemment, c'est à Houston, donc là, euh, prise de panique chez Simone, crise d'anxiété, hier, c'était pas une belle journée <laughs> Donc là, aujourd'hui, ça va mieux. Je suis super contente. Donc, voilà pourquoi je suis avec vous. Nous ne voulions pas nous faire contaminer par. Fait qu'on ne voulait pas voir personne à part qu'on n'est pas faim. Hein? <laughs> Donc, euh, merci Élise. Hein, T'es super gentille. Bravo, fiston. Oui, je suis tellement contente. Écoutez, c'est. Bien, premièrement, d'aller aux États-Unis avec des, ses copains du secondaire. Euh, c'est une expérience extraordinaire de faire une comp compétition de robotique de faire du travail d'équipe euh, c'est fou là moi je suis tellement fière de lui il a travaillé fort énormément puis là c'est ça en fin de semaine là mon conjoint court les papiers passeport vaccinal puis bon bref là c'est ça là ils partent finalement demain ah dimanche de part qui part demain euh, voilà fait que c'est pour ça que je suis toute en anxiété. <laughs> Vous savez que chez moi, c'est un petit problème, mais coudon. Aujourd'hui, il faut que je me botte les fesses. Je dois aller faire l'épicerie obligatoirement. Donc, euh, et je me suis dit, je vais en parler à mes copains et copines. On va se faire un direct de fou. Donc, Sophie Plante me dit bravo à ton garçon. Écoutez, c'est. De l'inattendu. Nous autres, on était sûrs qu'ils n'étaient pas sélectionnés pour aller euh, au Texas parce qu'ils n'ont pas remporté la deuxième journée de compétition. Mais il y a eu un pense euh, Comment qu'ils appellent ça? dont un pense un White Past. En tout cas, ils ont été sélectionnés par euh, l'équipe de First en robotique. Alors, on est. Euh, c'est ça. On est complètement. Je suis complètement contente. Et c'est ça, on ne voulait pas voir personne pour être contaminé. En même temps, ben il faut qu'ils travaillent le robot. Il y avait des détails de la programmation. Beaucoup de choses à réparer après la compétition de Montréal. Hein. Ils se sont rendus compte que fou, euh, le robot n'était pas tout à fait prêt. Il y avait des petits détails euh, qui étaient plus sensibles, qui ont brisé et tout et tout. Donc voilà. Alors, sur ces bonnes paroles-là, les amis, on va déballer <laughs> un haul en direct. Je ne sais pas si vous aimez ça. En tout cas, moi, j'ai demandé à beaucoup d'amis, euh, ben vous, hein, je vous ai demandé à vous si vous aimiez ça, les directs. Euh, les replays, quand ça dure deux heures, oui, les gens, ils aiment ça. Je suis un peu surprise. Écoutez, là, je, moi, j'suis, je suis quelqu'un qui fait des vidéos plus. des tutoriels concis, très matière. Euh, bon, voilà. Donc, je m'adapte à vos goûts. Bon, là. Je vais faire un petit jeu avec vous. Vous savez que moi et ma copine Virginie Colo, on aime les jeux. Elle nous a fait faire d'ailleurs, ma petite loute, un jeu sur les couleurs. Ça a parti en vrille. Je me sentais dans un souper de filles. On a... Pauvre Virginie, on t'a fait toutes sortes de petites câlineries d'amour en te taquinant. Super intéressant. <laughs> Finalement, beaucoup de plaisir dans les jeux de couleurs. Euh, je rouvre la boîte. Je vous en ai parlé, les amis. J'ai placé la commande ici à cause d'une tentatrice de l'amour. Moi, je veux savoir si vous savez qui est la tentatrice du pourquoi j'ai dépensé des sous encore. Dites-moi le nom de ma tentatrice, juste pour voir si vous suivez euh, l'actualité de Simone. <laughs> J'attends. Je rouvre pas ça. <laughs> Nathalie dit, j'ai acheté trois livres grâce au live. Oui! Les petits cadeaux que j'ai reçus, Nathalie a commandé les livres, elle les trouvait super beaux. Donc Nathalie, je suis contente, on va avoir des livres euh, dans lesquels on va pouvoir faire, euh, si je fais des colos, groupe, tu, va, ben, tu vas pouvoir participer. Là, j'attends de savoir si vous connaissez ma tentatrice. Qui Non, Isa, c'est pas Azou. On continue. Non, Sophie, c'est pas Azou. On continue. Virginie a dit, c'est moi! <laughs> c'est Virginie Colo, la tentatrice. Écoutez, Virginie a dit dans son vidéo, dépêchez-vous d'aller commander vos livres. Ouais, ben là, Colorfila, c'est pas Colorfila, les amis, parce que oui, les 72 Chroma on les veut toutes. Oui, c'est ça, Tati a dit, j'hésite entre Zazou et Virginie. Ben Tati, euh, je je, je, je t'aurais laissé trois chances, t'aurais gagné. Donc là, il faut que vous... Attendez un instant, là, je, je suis toute énervée. Je n'ai pas ouvert la boîte. <laughs> Et là là, je vais ouvrir. <laughs> vous ne pouvez pas voir, vous, mes petites coquines. Je vais... Le tu t'as pas le droit de répondre. Alors, la prochaine question, faut que vous trouviez qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Bon. Est-ce qu'il y en a, sauf Virginie ne répond pas. Oui, Virginie de l'amour effectivement. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est de caché... qu'est-ce qui est de, ça se dit pas ça Qu'est-ce qu'il y a de caché dans la boîte J'attends vos réponses, sinon je referme la boîte puis on se revoit dans un prochain direct. <laughs> oh, je suis peste, hein? je le sais que je suis une peste. Non, ce n'est pas Christine Caron. Oui, je m'amuse beaucoup. Oh, Hélène, l'a trouvé! <laughs> C'est les livres de Madame Jung, donc Amandine. Béa l'a trouvé. Oh, vous êtes bonnes, les filles. Donc, dans mon dernier direct, quand je vous avais parlé qu'à cause de Virginie, moi, j'étais en état de panique, Virginie a dit Dépêchez-vous. Moi, j'étais sur Instagram en train d'écrire à Amandine, réserve-moi deux livres, là, je m'en vais, je ne peux pas commander ça tout de suite. Puis, <laughs> le euh, Amandine a dit, ben non, c'est correct, comme toi, il en reste encore des, co <laughs> des copies. Donc oui, ce sont les deux livres d'Amandine. Écoutez, ça fait une semaine tout juste que je les ai commandés. Parce que moi, je suis allée chercher la poste aujourd'hui. On est samedi, puis je les ai commandés. Ça fait pas longtemps, là. Donc là, on va pouvoir les ouvrir ensemble. J'ai commandé parce qu'ils sont en spécial sur la, euh, le site web d'Amandine, finalement. Donc, très facile à commander si des fois vous voulez les avoir. Euh, moi, j'ai payé 35 euros pour les deux livres, plus 9 euros pour la livraison donc on a le choix dans la livraison d'amandine vous voyez que c'est super bien emballé en papier bulle donc euh, très très facile pour les canadiens canadiennes moi je vous conseille ceci étant donné que c'est en euros on a le choix entre de l'argent américaine ou de l'argent en euros. Donc, j'ai choisi, euh, je suis allée voir dans, dans un. J'ai converti l'argent canadien en euros et en américain et c'était plus payant pour moi la journée que j'ai commandée. De choisir en euros. Donc, j'ai acheté ça en euros. Je ne sais pas si ça peut faire une différence, mais je pense que oui. Et Amandine m'avait conseillé de prendre le forfait de livraison le moins dispendieux sans suivi. Donc, c'est arrivé super rapidement. J'ai pas eu de problème de poste. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, les deux sont emballés comme ça. Oh, regardez-moi ça. Wow! Mais c'est donc bien beau. Oh! Je suis contente de le vivre en direct avec vous parce que. Ça va me rappeler des souvenirs. Ah, OK. Amandine, elle a une belle carte. Voilà, une belle carte d'affaires avec euh, le code euh, QC en arrière. Euh, C'est ça le code QC Comment on appelle ça ça Un code QR, QC, Q, chose en tout cas, à scanner. Donc, voilà. On passe la commande sur son site web. Super facile. Et nous recevons tout de suite une confirmation par mail, comme quoi que tout est bien passé. Donc, pas de stress de ce côté-là. Ah, oh, que c'est beau! Il a là, on y va. Ah oui, et puis Virginie me dit le papier est trop top. Ah, oh, regardez-moi ça! Je vais devoir garder tout ça. Je trouve ça trop beau. Le petit ruban d'Amandine. Et elle va avoir son prochain livre qu'on va pouvoir précommander. Le pinople. Donc évidemment, moi je vais précommander. J'ai pris la couverture, euh, ben, souple, voilà. Le papier est de super bonne qualité. Hein? Toutes les copains, copines, YouTubers qui ont commandé ces livres. Oh regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Non, on en rouvre un ensemble. Ben voilà, hein, on, on y va. On y va gamin. On y va. <laughs> Je me sens comme un bébé qui rouvre un cadeau de Noël. On y va. Oh, wow. Oh, petite... oh, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouh. Wow. Un poster Illustration en colorier d'après le conte des frères. Mais que c'est beau ça! Wow! Oh, j'aime sa patte d'illustratrice. Les doubles, triples lignes qu'elle fait là, les petites tachesures, les petits points. Hum, mm, c'est beau! Que c'est magnifique! Bon. Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Vous voyez toutes les petites lignes et tout? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je trouve ça... Oh, wow, wow, wow! Attendez un instant. Papier cartonné. Ah, mm. oh, c'est magnifique! On va pouvoir le regarder ensemble. On déballe l'autre. On déballe l'autre. J'ai trop hâte et j'aime beaucoup le format de son livre. Intéressant. On passe à l'autre. Oh! Deux cartes. Belles les cartes, waouh! Ok, ça, ça devait être une carte par livre. Bon, ah, okay, que c'est tout joli, mignon, bien pensé. Ah, oh, c'est le fun. Ah, oui, en passant, Amandine euh, va faire euh, un. Elle va participer au Coloraton également, donc je veux voir son live absolument. Ça va être super intéressant. Je pense qu'elle nous fait un atelier euh, dessin. Oh, que c'est magnifique. Que c'est magnifique. Je le veux, oui. Ah, j'adore ce poster. Dit moi ma, ma copine Color Isera. Si vous ne connaissez pas Color Isera, elle a une chaîne YouTube également. Hein, je vous invite à aller la voir. Elle fait des super directs très intéressants. C'est vrai que c'est une fun, les directs. C'est une belle formule. On dirait qu'on est... qu se retrouve tous ensemble. Oh! C'est-tu un poster par... Oh! Oh! C'est un poster par livre. Avec... Wow! C'est tombé bien beau, ça, les amis. Wow! Que c'est intéressant pour mettre dans notre bureau. Oh! C'est beau, les couleurs, mais gardez-moi ça, la petite euh, frimousse. Une belle struille violet. Waouh Ça c'est intéressant, ça me donne des idées. Le cendrillon. Illustration à colorier d'après le conte des frères Grimm et Perrault. Donc j'aime beaucoup le format or. Oh! Waouh Que c'est magnifique Oh c'est son petit chat ben oui, on a vu dans, dans, dans le coloraton, Si vous n'avez pas vu la vidéo prom promotionnelle, hein, elle est disponible chez, euh, chez tous vos copines YouTubers et d'ailleurs chez Simone Collard. Elle a un petit chapeau de poil comme ça. Oh c'est beau Ah j'ai hâte de voir ça avec vous. Donc voilà, voilà, voilà. On a déballé et moi je vais garder les petites cartes. Et j'ai également ici. Bon je le sais là. Je suis une petite collectionneuse. Je, ça, c'était euh, sur le colis de Carolina Kubikowska. Donc, euh, c'était comme un timbre. Puis je l'ai découpé, puis je l'ai gardé. Puis je le mets dans mon bureau. Donc, les cartes d'amandine vont également être dans mon bureau. Et m'accompagner quand je colorie. Je n'ai pas de mes coloriages affichés dans mon bureau. Je vais enlever le papier bulle, je vais le garder pour mes enfants, même s'ils ont 15 et 17 ans. J'aime ça péter des bulles. Euh, est-ce que vous mettez vos, vos euh, coloriages dans des cadres ou est-ce que vous les... Euh, je viens d'aller voir... Rupture. Oh non, Tati! Ne me dis pas que les livres d'Amandine sont en rupture. Et si tu veux me confirmer ça, Tati, là... Euh, bon, je sais que... ben je sais... Je pense qu'elle va en réimprimer. Bien, c'est sûr. Là, il, faut, il faut, les amis, il faut aller la voir sur Instagram. Écrivez-lui, je veux tes livres. Et elle va en faire réimprimer. Donc, les Carolina Kubikaska ne sont plus disponibles sur la chaîne Etsy, semble-t-il. Vous m'aviez confirmé ça. Donc, ça, c'est triste. Mais Amandine, je suis certaine qu'il lui reste encore des livres. Hum! Mmh! Maïva m'a dit, oups, en un instant, là. Euh, Maïva, je ne l'ai pas eu ce poster. Il n'y en avait plus au moment où j'ai passé la commande. J'ai eu le poster de la couverture. Elle m'a dit qu'il était collector. OK, bon, ben écoutez, ça, je ne sais pas. Euh, tati Poupou, euh, tu peux acheter, les, les acheter à l'unité ou être sur une liste d'attente. Envoie-lui un mail. Mm -hmm. Non, juste le pack des deux. OK, le pack des deux est en rupture? Ah, ça se peut. Mais c'était comme un spécial aussi, là, ça se peut que les choses aient changé. Euh... Oh, Kali, coucou Kali, je suis super contente de te voir. Donc, voilà, vous irez voir sur la chaîne d'Amandine. Bon, Isa Ayrton nous dit, je les mets dans des cadres et j'ai un présentoir que mon mari m'a fabriqué pour exposer mes dessins. Oh, c'est donc bien le fun! Moi, je, je ne les expose pas. Euh, voilà, mais... Mais c'est ça, ma copine Marilyn m'a dit que lui, je devais absolument l'exposer dans mon bureau à quelque part. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui exposent leurs colos euh, à la maison? C'est vrai que c'est des beaux colos, là. Euh. Oh, ben, je suis contente de te voir, Cali. Bon, ben, voilà pour le, le, le déballement. Ça se dit mal. Le unboxing, c'est encore pire. <laughs> Des livres de ma copine d'amour aussi, parce que j'ai beaucoup de copines de l'amour. Virginie a un, une place particulière dans mon cœur. Et ceux que j'appelle les d'amour ont tous une place particulière dans mon cœur. Donc, Million Beers. Un gros merci à ma copine Elise qui m'a offert ce livre-là de ma wishlist. Je vous répète que je termine Madame aux cornes. Ensuite, je fais mon kerby le Minotaur. Écoutez, tellement populaire le Minotaur, ça n'a pas de bon sens. Nous sommes rendus à deux groupes de discussion extrêmement volubiles. Hein, ça jase dans ces groupes de discussion-là. Les gens, les gens se sont contents. Ça se dit tout ça, c'est tout croche. Je recommence. Les gens sont super contents de se découvrir Ils se créent des amitiés. Après ça, les amis jasent entre eux sur Instagram, se font des vidéoconférences comme moi et Marilyn. Donc, yeah, je suis contente d'être euh, moi et Marie, dans l'atelier de Marilyn, on est contente d'être le, le levier de transmission de, de, de ces belles amitiés-là. Bon, euh, y est où mon Lego. Ah, Mythomorphia. Que j'ai travaillé énormément avec ma copine Camille Coloriage avant que nous ayons ayons chacune une chaîne YouTube. Donc, euh, attendez un instant. Nous avons fait plusieurs colos ensemble. Donc, si vous voulez, on peut visiter mes coloriages dans ce livre-là. Mon objectif, c'est de le finir, ce livre-là. Mais comme ah, oh, ça là, c'est le colo que j'ai dit que je détestais le plus dans ce livre-là, avant que je le mette en couleur, là, j'ai exagéré le noir énormément. Donc, c'est quelque chose que j'avais peur. Si je peux vous donner un conseil, s'il y a quelque chose, une technique que vous voyez chez une, un illustrateur ou une illustrateur ben en fait. Non, c'est pas vrai, je recommence. Si vous voyez une copine sur Instagram qui fait des colos que vous adorez de fou, et que vous aimeriez faire pareil. Bon, moi, je vous conseille d'appliquer la technique et d'y aller au maximum. Là. On pousse ça au fond. Ici, c'est ça que j'ai fait. J'ai caché tous les détails que j'aimais pas. J'ai épuré le colo et je suis allée à fond le noir. Moi, j'aime le noir. J'aime voir les, les couleurs lumineuses ressortir. Et là, là, je suis allée à fond et ça m'a permis de voir jusqu'à quel point je peux mettre du noir. On voit que ce côté-là est très foncé. Ce côté-là est plus lumineux. Là, je vous le dis, je suis certaine que vous vous en auriez pas rendu compte, mais si on regarde ici, là, la partie ici, ici c'est très très foncé et là c'est beaucoup plus lumineux. Donc moi, dans la technique et la position d'ombre avec le noir, il y a une limite. Donc, ici, on y va au maximum. Ici, on y va euh, un peu moins. Et on voit qu'on peut jouer tout simplement avec les ombres et la lumière. Donc, de pousser la technique au maximum, ça nous permet de voir jusqu'où on peut aller, qu'on est capable d'y aller. De, pour les prochains colos, à mettre un peu moins, rester dans l'un peu plus. Donc, c'est intéressant. Et euh, ici, j'ai plus de brun-orangé et je n'en ai pratiquement pas l'autre côté. Euh, bon, ça, c'était pas nécessairement voulu, mais quand je tourne un tutoriel et que je fais exemple la moitié du colo avant de tourner le tutoriel, j'ai de la misère à faire l'autre côté exactement pareil. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, ça, je vais attendre de voir vos, euh, vos réponses sur le clavardage. Donc, est-ce que moi normalement quand je colorie, là, je vais faire les feuilles, je les fais au complet. Je fais pas juste la moitié. Puis j'attends deux trois jours pour faire l'autre moitié. Ça me permet d'être très uniforme dans mon coloriage. Mais là, pour des tutoriels, j'ai fait la moitié. Là, je me suis dit, c'est beau. Je le tourne en tutoriel, j'ai le goût de le partager. Et ça arrive jamais pareil. Bon, Qu'est-ce que tu veux? Quelle noix? Sandra Cocon me dit. Élise euh, Groux me dit, faudrait que je m'y lance avec vous. Euh, bon, attendez, j'ai manqué des, des Élise, moi aussi, mais j'arrive pas. Ils je vais. Ah, ben, Crème, euh, ma belle euh, Maëva, tu vas manger. Bonne soirée les filles, bisous. <tousse> <tousse> bisous, Maëva, Crème. Ah oui, le Minotaur, Élise, parle du Minotaur. Il faut que tu te lances avec nous, Élise. Euh, je vais vous le dire de toute façon, aussitôt que je vais embarquer sur le Minotaur. On va le faire ensemble, on va faire des directs, ça va être intéressant, on va se motiver. On est capable, les filles, du kerby là. C'est facile à faire au bout. Donc, je vais vous aider. Sandra me dit, quel noir as-tu utilisé du Posca ou de la peinture? Ben, c'est de la peinture, ma chère. Euh, où est-elle? Est la peinture du Dolorama qui coûtait un dollar. Acrylique, ça ne coûte rien. Du Posca, ça coûte super cher. Pinceau, acrylique, ça a fait un super beau travail. Je trouve que euh, l'acrylique dans le coloriage, c'est à développer, les amis. C'est à développer parce que ça ne coûte rien et que ça donne un beau résultat très mat. Euh, au niveau de la peinture ici, donc intéressant. Même chose ici, j'ai fait ça avec de la peinture acrylique, un pinceau fin, un traîneur, et ça a été vraiment bien. Donc, voilà. Donc, lui, il a une histoire particulière. Ici, Derwentingtons, et là, vous voyez tous ceux qui me reste à faire. Ici, j'ai adoré, ça a été aquarellé. Le fond a été fait avec des euh, surligneurs, tu sais, les petits surligneurs roses, là, ben voilà, ça donne un rose comme ça. Puis ça non plus, les amis, ça coûte rien. Lui, ça a été fait avec des techniques à l'encre étendue avec des euh, brosses à maquillage. Oh. Et ça, c'était un colo que j'ai eu de la misère à débuter. J'avais plein de couleurs qui tournaient dans ma tête. Et je tergiversais, je n'étais pas capable de me euh, fixer. Jusqu'à temps que je me dise garde pas une couleur mais là-dessus puis on y va puis après ça ça a été bien et le résultat m'a surpris parce que je m'attendais vraiment à une catastrophe je me suis dit garde on le fait pour le faire bon voilà ah, ça c'est des énormités mais magnifique j'ai hâte de faire parce que ça... oh c'est beau ça que de plaisir ça a été fait également avec Camille coloriage qui a quasiment fini son livre Camille il y a une chaîne YouTube, allez la voir. Elle fait des colos brrr, époustouflants. Ça, c'est euh, énorme, énorme. Je ne sais pas qu ce que je ferais pour enlever les détails, mais il va falloir que je trouve quelque chose. Ça aussi, trop de détails, mais il faut que je le fasse. Oh, ça là, hein? Creepy, horreur. Simone Collard, on est là, on est là, on est là. Ça, c'est magnifique. L'Égypte. Que c'est un beau livre, le Mythomorphia. Quand je vais l'avoir terminé, voici notre Mimi qu'on doit faire ensemble. Coucou. Regardez ça, là. On enlève la tête, là. Wouh! <laughs> que de plaisir. Donc, moi, je veux faire la double page. J'avais une idée de rose. Euh, non, j'avais une idée de rouge, orange et jaune. Et là, je ne sais plus, j'ai vu beaucoup de belles versions des copines dans le trio colo. Donc, là... Je suis tombée mélangée, les amis. Je ne sais plus quoi faire. Ah, ça, là, wow! Ici, je suis allée plus dans le rose. Donc, le Minotaure, techniquement, la semaine prochaine, je pars avec une base en gesso transparent. Euh, voilà. Ah oui! Les petites vidéos que je veux vous tourner, est-ce qu'il va venir avec... Euh, Bon, là je suis en, en retard dans les messages, attendez un instant, j'ai, je regardais le tuto, il était également super virgine, je vais dîner, ben crime virgine, bon repas, je sais que je suis, euh, je suis, euh, c'est sur l'heure du repas et un repas de Pâques, espèce de coquine, Véronique Manuela. coucou Véro, je suis super contente de te voir euh, bon, OK, j'aimerais faire un fond noir aussi euh, sur mon portrait. Ben oui, l'acrylique noir, ça ne coûte rien. Les gros poscas, tout le temps en train de brasser ça, ça va mal. Brrr, moi, les poscas, je suis rendue que ça ne me tente pas trop. Ouais, ben on y pense jamais à l'acrylique et j'aimerais faire un colo complet à l'acrylique. C'est intéressant. Euh, Melissa me dit, lorsque j'arrête et que je reprends plus tard, j'ai de la difficulté à continuer à dessiner de la même façon. Ah, ben, je ne suis pas toute seule! Euh, Oslie, Oana est là. Coucou tout le monde! Coucou Oslie! Je suis contente de te voir. Elise, euh, euh, oui, Elise me dit quel Body, yeah! <laughs> Corinne Delpont, il est magnifique, Simone. Tu devrais l'exposer. Ah, oh, t'es gentille! Euh, Véronique Manieux, bon, bon appétit, euh, Virgin. Bon, Car oh, Caroline Fashion Colo est là. Coucou Simone, comment vas-tu? Ben, ça va bien hier, ça a été une journée horrible. Très anxiogène aujourd'hui, ça va bien. Caroline me dit j'ai raté quoi Tout, Caroline, tout. <laughs> non non, je blague. On a fait un tutoriel au début du euh, du euh, direct, donc un tutoriel bijou euh, qui va être repris et remis en petit format rapide pour mettre sur la chaîne de Simone Collard. Donc il est déjà disponible euh, en direct parce que nous sommes en direct là là. Mais je vais le reformater pour un format plus court. J'ai déballé euh, les livres d'Amandine. Je les ai déballés avec vous. Euh, là, on regarde ce que je vais faire dans les prochains colos que je vais attaquer. Donc, euh, c'est ça que tu as raté, ma chère Caroline, mais ça va être en replay. Et on est super contente que tu sois avec nous. Là, là. <laughs> Donc, Caroline dit Coucou, la team. Euh, oh, ça, là. Ah, Quelle est belle. Moi là, je peux pas faire une, une de, je peux pas faire un colo comme ça au crayon de bois, ça n'a pas de bon sens, ça me prendrait un mois. Donc on va utiliser des euh, techniques aquarellables à l'encre ou à la pastel sec pour faire ces types de colos là qui sont ma foi énormes. Euh, voilà. Ici le beau, euh, ça c'est pas un minotaure, c'est un comment ça s'appelle donc. Euh, Cyclope, un cyclope. Oh là là, on est dans le genre de Simone, hein, les amis. <laughs> Et voilà celui qui m'a pris un an à faire. Oui. Et voilà. Bon. Lui, le fond a été fait au Posca. On va regarder ça juste là, là. Si avec. Voyez les lignes? Je ne sais pas si vous voyez les lignes avec la lumière. Fait qu'avec un crayon Posca. Et la différence avec euh, l'acrylique noir. Là, on voit des petits traits de pinceau. Je ne sais pas si vous les voyez, les petits traits de pinceau. Donc, c'est un peu la différence entre un fond au Posca et à l'acrylique. Donc, le prochain, les amis, si vous voulez colorier avec moi, si vous avez fait le mimi minotaur, ben je fais les deux pages. Donc, pour ceux qui ont fait le mimi, vous pouvez euh, venir nous rejoindre euh, en discussion. Et euh, je vais faire lui. Avec lui, je vais devoir ajuster les couleurs pour faire la double page. J'aimerais vous tourner aussi une vidéo un tutoriel sur quoi faire avec la tranche de livre. Ça là, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de misère. Donc vous voyez que ici, dans mes premiers colos, je sais pas si on le voit, je veux pas trop l'écraser là, mais la tranche de livre est blanche. J'aime pas ça. Mais non. Fait qu'ici, le colo là, sa tranche est parfaite jusqu'aux coutures. Ça, j'aime ça. Je vais vous montrer comment faire dans un, euh, dans un prochain tutoriel. Euh, petit, petit, petit livre facile à faire, euh, des illustrations mignonnes à million bears. Donc, je veux faire lui avec ma copine Virginie Colo et vous. Donc, euh, cette page-là, est-ce que je vais faire la double page? Je ne le sais pas. Mais euh, à voir, à voir. Je suis, partie sur un, euh, je suis partie sur un trip de double page tout le temps. Quand je fais une page, je fais les deux. Hein? J'ai toujours les mêmes couleurs. C'est quand même pas long à faire quand je n'utilise pas mes crayons. Donc voilà ce qui va venir sur la chaîne de Simone Color aussitôt que j'ai fini mon Dunkel Bond. Pour le Minotaur, nous avons jusqu'au jusqu 15 mai. Pour l'envoyer par courriel à ma copine dans l'atelier de Marilyn et moi, je vous tourne bientôt le montage de tous nos colos que nous avons fait dans le euh, fairy tale, le signe, donc le beau signe que nous avons fait en groupe. Je vous tourne ce petit montage là bientôt. Donc là, je retourne au clavardage et les amis, je m'excuse si je n'ai pas euh, lu vos commentaires. Là, je vais, je peux pas repartir du début et tout lire, donc voilà. Corinne Delpont, moi je, aussi, je n'arrivais pas à, à lancer la vidéo. Ah, OK, vous avez eu de la misère avec le début de ma vidéo? Bon, euh, cette licorne, elle est tellement belle. Oh, oui, c'est vrai qu'elle est belle. Puis quand on les voit, les colos, quand ils sont coloriés, là, oh, lui, là, est-ce que c'est Steph Collard qui l'a fait dans, dans les tons de noir et vert? Je pense que c'est elle. Si vous savez de quoi je parle, confirmez-moi le dans le clavardage. Oh, ce que c'était magnifique! Elle, je l'ai vue la licorne en blanc avec des fleurs dans les tons de lilas. Oh, c'était beau! Donc euh, vraiment, ça nous aide de voir des références. Et souvent, quand je colorie, je vais aller voir une référence exemple ici là. Euh, les bijoux. On parle de bijoux dans ce euh, direct là. Bon, les bijoux ici, on va dire son casque de protection. Qu'est-ce que les gens ont fait Est-ce que les gens y ont fait une couleur différente à l'intérieur Est-ce qu'ils ont surligné avec du stylo gel par dessus Est-ce qu'ils ont mis euh, du stécose Donc, je vais voir sur Pinterest et Instagram et je fais la recherche mythomorphia carbinozème et je vais voir des références. Donc, mon idée est placée dans ma tête. Je peux avoir avancé le coloriage, mais je veux juste voir comment ils ont fait le bijou pour euh, décider de la technique à utiliser. Donc on copie pas, mais on s'inspire. Puis ça là, c'est tout à fait normal de le faire comme ça. Donc c'est un peu comme avec ma petite démone. J'ai regardé le colo de Joe pour voir ce qu'il avait fait dans ses bijoux pour voir si l'idée que j'avais était bonne. Donc voilà les amis euh, pour ce qui va suivre sur la chaîne de Simone Color. Là, je regarde vos euh, commentaires. Oh, Béa, t'es gentille. Elle me dit que j'ai des beaux colos. Véronique Magneux dit coucou, euh, Béa. Euh, oui, Simone, je suis dessus, mais il m'a fallu changer d'idée. Euh, je viens de finir la licorne. Oh, dans le Luna. Oui, je vais pouvoir le poster, Milsa. J'ai hâte d'aller voir. Euh, voilà. Euh, nous sommes, est-ce que vous pouvez me dire on est combien sur le direct parce que moi je ne vois pas, nous sommes combien dans le clavardage euh, oui, Tati dis moi je vois plutôt une armure, effectivement un protecteur pour la licorne euh, dites-moi combien nous sommes, je suis curieuse hein, c'est pas que moi je suis toute seule mon garçon attendez un instant, on est samedi mes deux garçons travaillent, mon chum est parti courailler parce qu'il part au Texas avec mon fils pour la robotique. Donc, je suis toute seule. Euh, J'aurais pu aller au Texas avec eux, mais malheureusement, euh, ils ont loué deux véhicules. Les places sont comblées. On est 32, 27. Crime, c'est super. 31. Et, salut Marie-Claude! Hey, je suis contente de, de te voir! Nous sommes beaucoup pour un samedi de Pâques, je ne reviens pas. 28, 21, ben, 31. Mon Dieu, surprise, ben, et je suis surprise. Je suis surprise et contente d'être avec vous. Euh, 29, moi, là, j'aimerais ça faire un petit jeu avec vous pour reprendre l'idée de ma copine Virginie colo Là, vous devez vous mettre à vos téléphones pour me donner les réponses. On va faire un jeu euh, sur les couleurs, comme Virginie l'a fait. Bon, Caroline a dit « Je voulais faire un minotaure sur le thème de l'enfer. » C'est ça que je voulais faire moi aussi. C'est pour ça que j'avais trouvé le rouge, l'orange et le euh, jaune pour aller avec le phénix à côté. Là, je, je change d'idée parce que j'ai vu beaucoup de représentations. Donc, euh, voilà. Là, je vous donne... Euh, on va faire un petit jeu. Donc là, je ne colorie pas. Je vais me concentrer à lire vos réponses. Donc, je vous donne... Euh, un objet et vous devez me dire quelle couleur vous allez le colorier. Donc, vous allez devoir me dire deux couleurs. Je vous donne un exemple. Je vous dis une phrase. Vous allez devoir m'écrire deux réponses. La première, c'est la première couleur qui vous vient à l'esprit que vous, a, vous allez mettre la phrase. Vous voyez une phrase dans un colo, c'est quoi la première couleur que vous voulez mettre? Et la deuxième couleur que vous allez m'écrire, c'est celle qui est la plus improbable. Donc, je vous donne euh, ma réponse. Moi, je dis fraise, je verrais euh, noir. <laughs> Et ma couleur la plus improbable, ce serait bleu. Donc, là, je vous pose la question, les amis. Euh, moi, de, Corinne me dit Moi aussi, je suis déçue des gros poscas car il a pluché ma page. Ah, on a eu la même idée, Simone. Moi aussi, changer. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? quand qu'on voit beaucoup de colos défiler et qu'on n'a pas euh, débuté tout de suite avec nos, notre première idée, là après ça on est pris. Ah la fée, Ticia est là, bonsoir la fée. Bon, on revient à notre jeu. La fraise, la première couleur que Véro a remis c'est rouge et la dernière couleur c'est vert. Bon, moi ça aurait été... ouais. Tati, euh, le jeu m'a l'air drôle. Ben, let's go, ben, vous devez donner deux couleurs. Donc, Joanne me dit rouge. Isa, rouge et bleu. OK, le bleu, tu l'aurais jamais mis bleu. Joanne me dit vert pour la deuxième couleur qu'elle ne mettrait pas. Véronique, rouge et noir. Fait que là, on voit par les réponses, c'est qui qui sont conformistes et qui qui sont complètement dans le, euh, comment dire, fantastique. Donc, on va continuer, on va voir, on va voir. Joanne, mauve. Sandra, rouge et violet. C'est vrai que violet, hein? On... Ça, j'y pas pensé. Oh, brune! Ben oui! Élise nous dit rouge et brune. Evelyne, jaune et noir. Euh, la fée nous dit rouge et bleu. Tati, rouge et noir. Mais vous êtes des conformistes, mes coquines! <laughs> Donc, euh, Mélissa me dit « Merci, Simone. Grâce à toi, je viens d'avoir l'idée pour le Minotaure. J'ai eu un flash! » Mais je suis super contente, Mélissa, que tu as eu l'idée. Rate pas ton flash et commence ton colo. Béa me dit rouge et vert. Cali me dit rouge et aubergine. Oh, aubergine, ça serait beau comme couleur. Ouais. Osli me dit rouge et bleu. Caroline me dit cool, Mélissa. <laughs> J'ai de l'air d'un présentateur de partie de hockey. C'est le fun! <laughs> Hmm. Joanne me dit, Hihihi. ok, <laughs> là on va changer d'objet. Bon, voyons voir. Un arbre. Là je fais référence, ben, ben en fait, moi je pense à l'arbre dans euh, le dernier colo qu'on a fait sur la licorne dans le Mariatrol. Donc les arbres, la première couleur qui vous vient instinctivement pour la mettre et la dernière que vous mettrez jamais. Donc moi je vais vous répondre. Euh, Jaune doré pour ma première couleur. Pourquoi? Parce que j'ai vu un colo d'une copine qui l'a fait avec nous qui a mis les arbres euh, jaune doré. Et là, je me demande si c'est pas ma copine Miss Pondy, mais pas que, qui a fait ça. Et la couleur que je ne mettrais pas, la dernière couleur auquel je ne penserais pas, ça serait rose. Hein? Exemple, des arbres roses, je, ça serait la dernière couleur que j'utiliserais. Donc, on va voir vos couleurs, les amis. Un arbre, on met ça. Quelle couleur qui nous vient tout de suite? Véronique, on met toutes les euh, fraises rouges, <laughs> blanches et bleues. Cannelle, cannelle dorée. Coucou, cannelle! Je suis super contente de te voir. Bon, rouge et bleu. Bonsoir, Simone. Véronique me dit vert et violet. Nathalie me dit un arbre bleu ou jaune. Ben, dans le fond, elle ne verrait pas, elle, l'arbre jaune. Tati me dit l'arbre bleu et violet, la dernière couleur auquel elle ne penserait pas. Béa, blanc et marron. Euh, la fée Ticia, brun, première couleur qu'elle pense, et jaune, le dernier. C'est ton pain ben euh, Manon, première rosée et la dernière noire. Marie-Claude Abel, rose. Ah, turquoise. Hein, turquoise. C'est vrai que. Ouais. Élise me dit « rose » et la dernière couleur « mauve ». On est toujours dans, dans l'arbre? Euh, Corinne me dit « rouge et bleu », c'est euh, ces couleurs que j'aime beaucoup. Osli me dit « rose et vert », Cannelle, bonsoir, Simone, jaune et violet. Ah oh, oui! Ah! Vert et argent pour Joanne, que c'est intéressant! Il faut jouer avec les couleurs, les amis. Et moi, quand je fais un colo, comme là, je vous remonte mon en cours. Là. Bon, là, les couleurs que vous voyez là, vous ne les reverrez pas dans les prochains colos que je vais faire parce que je suis tannée. Dans le sens que je veux partir complètement sur autre chose. Et moi, d'un colo à l'autre, je fais ça. Hein? Je me tanne de travailler avec des teintes et des couleurs. Donc, on continue nos réponses. Kali m'a dit vert et jaune pour la dernière couleur. Caroline, orange et noir pour des arbres. Quelle bonne idée, Tati. J'ai mis bleu parce que j'ai pensé au film Avatar. Oh, oui. Avatar, c'était tellement... Ocre, oui, et bleu. Mélissa, brun noir et la dernière couleur des arbres violets. Elle ne voit pas des arbres violets. Quelle bonne idée. Argent et turquoise pour Valérie DM. Coucou Valérie. <laughs> Béa dit, ah oh non, j'ai compris à l'envers. <laughs> je ne mettrai pas rouge et orange. Bon, fait que je répète les règlements, les amis. Je nomme un objet. Mettons que je dis une tasse de café. La première couleur que vous devez répondre, c'est la couleur qui vous vient tout de suite à l'esprit. Donc du café, techniquement, c'est brun. Fait que vous, le café, vous le mettriez quelle couleur? Ça, c'est la première couleur qu'on répond. Et la deuxième couleur, c'est la couleur que vous ne verriez pas du tout. Pour votre café comme moi, mettons. Là, on va revenir à l'arbre. Fait que moi, la première couleur, j'ai dit doré parce que j'ai resté marquée par un colo d'une copine qui a fait ses arbres jaunes et j'ai trouvé ça magnifique. Et la dernière couleur que je ne verrai pas, euh, ben là, je vais. Attendez là. Euh, ben, violet. Turquoise. Hein, vous avez donné toutes des bonnes réponses. <laughs> Isa Hart me dit rosé, aucune couleur improbable. Pour moi, un arbre peut-être de toutes les couleurs. Tu as tout à fait raison, Isa. On repart sur un autre. Euh, euh, Nathalie dit jaune et rose. On part sur un autre objet. Un chat. Un chat. Moi, la première couleur que je verrais, c'est un chat noir. La couleur que je ne verrais pas, c'est un chat lilas. Hein, on voit que moi, pour moi, les chats, hein, ça faut que ça aille les, les couleurs de chat. Vous, c'est quoi les chats? J'attends les réponses, les amis. Je prends une gorgée de café à votre santé. On va terminer ce direct-là sur ce petit jeu-là. Il est 14h30, heure du Québec. 14, 14, 15, 7, 7, 8, 19, 20. Il est 20h26 pour vous en France. Donc moi, je dois aller faire l'épicerie, donc je ne pourrais pas vous discuter ça euh, trop, trop longtemps encore. Donc un chat. Nous sommes 38, dit Jasmine. N'oubliez pas de mettre un pouce. Et tant qu'à dire le pouce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Simone Collard, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer les euh, directs. Et venez également vous abonner sur Instagram parce que je publie toujours à peu près 30 minutes avant l'affichette du l'heure du direct de la journée même. Donc, moi, je ne planifie pas de direct à long terme. C'est toujours la journée même quand je suis en forme et je le publie 30 minutes avant. Donc, un chat, les amis, quelle couleur on met ça? Un chat? Ah euh, oh non, j'ai compris à l'envers, oui, ok, ah non, ok, c'est ça, je suis rendue là, 38. Valérie me dit, le chat, elle verrait noir, elle aussi comme couleur la plus probable du chat, et rose comme improbable. Ah <laughs> oui, un chat vert, c'est bizarre, hein? Isa Hart nous dit, gris. Est-ce que tu as un chat gris par hasard? Moi, j'ai pas de chat noir, mon chat, il est beige et brun, mais... Je sais pas, hein? Je vais le chou dans le creepy en ce moment puis je le voyais noir. Donc isaac un chat gris et un chat vert, ça se peut pas. Nathalie me dit un chat vert et pas de rose pour le chat. Ah, oh, Marie-Claude écrit caramel. Oui, un beau chat caramel et improbable, c'est mauve. Élise me dit ah oh, encore un chat caramel et la couleur improbable, c'est rouge. Je suis, en, je suis en direct. <coughs> Ensuite, Cali. Un chat gris. Et on termine avec le rose qui est improbable. Bien là, il va falloir qu'on se fasse des défis, les amis. Hein? Des défis d'utiliser de nos couleurs tout à fait improbables et partir là-dessus pour un colo. Hein? Il va falloir faire ça. Cannelle dorée m'écrit gris et improbable bleu. Béa, un chat blanc et improbable rose. Véronique, oh, un petit chaton tigré. Et rose, donc un chat rose, ça semble être la vie de tous, on oublie ça. La fée nous écrit bleu et versus un chat rouge, c'est non. Tati Poupou, un chat bleu et pas de chat jaune. Caroline écrit un chat brun et pas. Hey mais un chat rouge! Hum, mmh, ça serait hot un chat rouge! C'est à réfléchir! <laughs> Joanne m'écrit un chat jaune. Ah oui, des gros matous jaunes et un chat rose, ça se peut pas. Euh, Manon Pilon, coucou Manon, je suis super contente de te voir. Un chat beige et l'improbable, un chat argent. C'est vrai, argent! Oh, ça serait intéressant de mettre ça argent aussi. Bon, Osley me dit tricolore et rose, l'improbable. Oh, Sandra, un chat roux. Oh, oui! « Et un chat improbable fluorescent. » Ça, c'est vrai, hein? Ben oui! « Mélissa Colo, un chat blanc, pas de rose. Euh, »« Evelyn, un chat roux et pas de chat violet. » Là, il faut que je trouve une autre idée. Euh, « Véronique, ocre rayé et improbable, un chat bleu. » Fait qu'on voit que les chats, on reste vraiment dans les couleurs standards. C'est intéressant. « Caroline dit un chat à moi. Oh, Caro, les chats à moi, c'est les meilleurs. » Isa me dit non, j'ai pas de chat. <laughs> Top chat est passé à 40. yay! Yeah! <laughs> Corinne me dit rouge et bleu, un chat rouge et pas de bleu. Caroline, oui, ce serait cool, Simone, de faire tout un colo aux couleurs improbables. Oui! Quelle bonne idée, Caroline! Je pense que euh, oui, il faudrait. Euh, on va mijoter ça, les amis on va faire un bon... Oui, pour l'idée des colos impropres. Écoutez, moi, quand j'ai vu les... Moi, c'est ça qui vient me chercher dans les coloriages originaux. Mettons que je trouve un colo originaux. Les arbres de ma copine, quand elle a fait ça jaune, là, j'ai fait comme « Oh! Quelle bonne idée! » Les licornes, les licornes, on peut voir ça de toutes sortes de couleurs, mais on dirait que les, les objets de notre quotidien, on a de la misère à décrocher des couleurs standards. Bon. Euh, Marie-Claude me dit bon week-end à tous. Merci pour le beau moment. Ah, oh, t'es gentille Marie-Claude, je suis super contente. Béa me dit, moi j'ai un chat tigré et quatre chiens. <laughs> ben, Béa, je vais en remettre une couche. Moi, j'ai un chat, un chien, un chum, deux enfants et euh, neuf ou dix poules, je me rappelle plus. J'ai trop de poules. Donc voilà. Ah, <laughs> oh, puis j'ai tellement peur de perdre mes petits enfants, là. Ah, oh, mais j'ai pas de petits enfants encore, ça va venir bien. Ben, pas bientôt, là, mais un jour. Pour le défi, je dirais la couleur complémentaire. Ah oui, celle que l'on mettrait, ben quin quelle bonne idée! On va voir. attends un instant. Euh, ben, crime pour le prochain. Euh, oui, le chat siamois, Lucky, le à moi te dit merci. Oh, Caroline, elle a un petit si à moi comme moi. Dis-moi, Caro, est-ce que ton si à moi parle tout le temps? Moi, j'ai l'impression qu'il me parle et qu'il sacre énormément. <laughs> quand que les enfants vont se coucher, il descend en bas et il vient nous crier après parce qu'il veut qu'on aille se coucher. Euh, quand mon conjoint se lève le matin pour aller travailler, il hurle après mon conjoint jusqu'à temps qu'il le flatte. Quel chat malcommode d'ici à moi, mais ce sont des adorables bébés. Euh, bon, ah oui. <laughs> Ben, t'as raison, Hélène, j'ai oublié ça. J'ai Rosaire, la moufette, et j'ai aussi Grisou. Grisou, c'est mon chat du chalet que je partage avec ma voisine Chantal. Donc, nous avons un chat errant qu'on a adopté parce qu'il reste euh, sauvage, mais on le nourrit, il rentre dans le chalet de ma copine, il fait dodo avec ma copine, donc on a adopté un chat de chalet. J'ai Rosaire, ben oui, c'est ouais, ça, ouais, Rosaire, la, mar, la marmotte. C'est ça, c'est tu, Hélène, qui m'a dit qu'une marmotte, ça vit 18 ans. Là, j'ai dit à mon chum, il nous reste 10 ans à endurer la marmotte. Il était découragé. Et d'ailleurs, je vous ai filmé la marmotte, les amis. C'est vrai, il faut que je vous mette ça en vidéo. Je vais vous faire un petit vidéo de la marmotte et Simone tout seul. Les gens ne comprendront pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais vous, les amis, vous allez savoir qui est Rosaire. Il s'est tourné, on l'a vu de face. Je, je frappais dans la vitre avec mes ongles, ils ne bougeaient pas. Donc, vive la euh, marmotte! <laughs> oh Caroline, elle dit, on peut attends, On peut être copine deux points, deux fois points en commun. Oui! <laughs> on a plein de points en commun, les amis. On est tous des copines et copains parce qu'on fait du coloriage. Qu'on est passionné et qu'on aime ça avoir des amis qui partagent notre passion. Mélissa me dit, attends de voir ma licorne, elle est improbable, je crois. Elle est comme en cristal transparent. Oh, j'ai hâte de voir! Euh, Véronique, Béa me dit, moi c'est pareil, je dois me forcer pour sortir des couleurs classiques. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Euh, Caroline, il parle avec moi, euh, mais fuit le chéri. Oh, il aime pas ton chum, c'est donc bien drôle, c'est le monstre! Véronique, oh j'ai hâte de voir ton coloriage Mélissa. Oui, on va aller voir ça sur Insta Instagram. Euh, Mélissa, j'ai trop de. Oui! <laughs> euh, Caroline, on voudrait adopter un petit chien. Bon, Caroline adopte un petit chien. Moi, j'ai adopté Simone et ça faisait neuf ans que le chien était. Avec le chat. Attendez, je recommence. Quand nous avons adopté Simone, la chienne? Mon chat, Hector, il est beau, hein, Hector. Ça y va tellement bien. Ça faisait neuf ans qu'il était avec nous. Donc, moi, ça n'a jamais fait de bon ménage. Parce que quand nous avons un chat et qu'on introduit un chien, ça ne va pas bien. Si nous avons un chien au départ et qu'on introduit un chat, ça va. Mais ce n'est pas grave, Caroline, tu peux avoir un chien quand même, parce que moi, le chien et le chat, ben. Ben, Simone aime le chat, mais le chat veut rien savoir. Quand Simone fait dodo, des fois le chat il passe, puis pouf, il lui envoie un, une tape sur le nez, puis il s'en va. C'est magnifique, c'est magnifique la vie avec les animaux. <laughs> Jasmine me dit cuivre et rouge pour la couleur improbable. Les couleurs improbables, les amis, tout ce qui est métallique. Hein, on en a parlé au début du direct. Les couleurs métalliques, j'utilise jamais ça. Et c'est fort intéressant. Euh, J'ai changé ta marmotte en mouffette. C'est pas bien pareil, non, mais c'est pas grave. Euh, J'ai déjà eu une moufette qui a pris la place de la marmotte. On a fait fuir la moufette avec du pipi de coyote. Donc voilà, pipi de coyote, la moufette est partie. Mais Rosaire aime le pipi de coyote parce qu'il reste quand même le monstre. Euh, voilà. Bon, donc là, couleur, écoutez, le jeu a été full intéressant. Euh, Peut-être prochain jeu, on va dire là. Ah oui, attendez un instant. On va juste tester le jeu ensemble pour voir si ça va bien. Là, je suis pas fine, hein? Je sors ma roue chromatique pour. Euh... parce que c'est moi le maître du jeu. <laughs> on parle des couleurs complémentaires, donc la couleur qui est devant, euh, la couleur sur le cercle chromatique. Donc là, moi, je vous nomme une couleur. Bon. Euh, je. De, Corinne me dit un chat bleu et pas blanc. Donc là, je vous donne une couleur et vous devez me dire quelle est sa complémentaire. On va aller voir si vous êtes habitué de jouer avec vos complémentaires. Fait que les copines, vous êtes prêtes à faire chauffer vos téléphones, vos claviers. Le rouge. Quelle est la complémentaire du rouge? Est-ce qu'il y en a qui connaissent bien leurs complémentaires? Est-ce que vous travaillez avec vos couleurs complémentaires dans vos colos? Couleur complémentaire du rouge, c'est le... Je ne le dis pas. J'attends les, les petits commentaires dans le clavardage, les amis. Vous ne savez pas? Il y a Audrey Mog en live. Ah, la couleur complémentaire du rouge. Ce n'est pas le jaune. Est-ce que le non La fétricia Tissia. Ce n'est pas le bleu. Oui, Cali me dit le vert. C'est le vert. Donc là, on regarde ici le rouge, la couleur qui est à l'opposé du rouge. Je vais me mettre droite. C'est le vert. La meilleure façon pour se rappeler de ça, penser à Noël. Hein? Les couleurs de Noël, c'est le rouge et le vert. Donc, couleur de Noël, voilà. On va passer, donc, petite astuce à toujours se rappeler les fêtes les plus importantes. Ensuite, donc, le rouge, la complémentaire, c'est le vert. Euh, le bleu, quelle est sa complémentaire? La complémentaire du bleu. La compli... je... Bon, je vous laisse. On m'attend pour manger. Oh, bye bye, Corinne. On fait la dernière couleur. Puis après ça, on va quitter le direct. Moi aussi, il faut que j'aille faire l'épicerie avant que je me fasse chicaner qu'il n'y a plus rien à manger. Euh... Bon, voilà. Ah oui, puis c'est ça. Audrey Mug est en direct. Donc, si vous voulez aller rejoindre Audrey Mug après, ben il n'y a pas de souci. La couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Oui! Donc qui l'a eu, c'est Isaac qui l'a eu. Euh, Hélène a eu ja le jaune, c'est pas le jaune. Kali a eu l'orange. Élise, le jaune, c'est le orange. Donc regardez bien le bleu ici, couleur complémentaire orange. Bon, de quelle façon on se on se rappelle de cette complémentaire là? On pense à l'Halloween. Donc l'Halloween, les couleurs de l'Halloween, c'est le noir et le orange. mais là. On remplace le noir par le bleu et nous avons nos complémentaires. Voilà! Donc, sur ces bonnes paroles-là, je vous dis les, euh, les quatre importantes. Là, attendez. Euh, le violet, la couleur complémentaire, c'est le jaune. Donc, Hélène, t'étais pas loin, t'étais pas loin. Le violet, la couleur co complémentaire, le jaune. Pour s'en rappeler, on pense à Pâques. On est dans le temps de Pâques, ça tombe bien. Les couleurs de Pâques, c'est violet et jaune. Ce sont les complémentaires. Donc, Noël, Pâques et l'Halloween vont vous fournir les trois clés des complémentaires. Donc, sur ce, je vous dis euh, bon colo à vous tous et à vous toutes. Je vous donne des petits bisous. Merci pour l'information. Audrey Mog est en live. Vous pourrez euh, aller sur euh, le direct d'Audrey. Donc, moi, je vais vous laisser avec la petite affichette de fin. Évidemment, on se revoit dans un prochain direct. J'aime ça faire des petits jeux. Je suis une petite taquine et je pense, oui, <laughs> Tati, je vais m'acheter une roue. Tu peux t'acheter une roue, ma belle. Moi, j'ai toujours ça sous la main. Ou tu peux en trouver une sur ton téléphone, tout simplement, sans acheter l'objet comme tel. Mais c'est. Quand je suis bloquée, mes choix de couleurs, j'y vais toujours avec la roue chromatique. Et tant qu'à faire... Si tu veux travailler, un autre que j'aime beaucoup, moi, c'est les échelles de valeur de gris. Donc, ça aussi, je trouve ça important. Vous la voyez souvent dans mes vidéos. Donc, je mets la fichette de fin. Je vous dis un énorme merci. J'ai adoré passer le temps de Pâques avec vous, les copines. Donc, bon colo à vous toutes et à vous tous. Pour le replay, je vous mets le rondissement de color juste au milieu et deux vidéos qui pourrait vous accompagner dans l'expérience de Simone Collard. Je vous donne des bisous du Québec. Béa me dit bonne journée, euh, bonne chance à ton fils et à bientôt. Je t'adore Béa, je t'adore Ingrid, je t'adore fille, je t'adore Annie, Hélène et mon dos, j'en ai plein à nommer. Donc...